Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ta formation Mix Mastering. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire un mixage d'un son que je viens tout juste de fabriquer. Donc, je vais te montrer comment je peux mixer. Ensuite, on va faire un léger mastering. Donc, un mastering de basse d'FL Studio avec plus précisément le plugin Maximus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les zones basses du clap. On va s'arrêter. Je veux pas trop te casser avec les trucs de fréquence. Le plus important, c'est que tu puisses maîtriser que quand tu as un paramétrique, par exemple comme celui-ci, les zones basses sont ici, les zones aiguës sont là, les zones du milieu plutôt sont ici, et maintenant les zones aiguës, elles sont de ce côté. Donc quand tu veux augmenter les zones basses, il faut ramener la coupe vers la gauche. Tu veux augmenter les aigus, il faut ramener la coupe vers la droite. Tu veux diminuer le... Tu vas augmenter ou baisser les zones de middle ou du milieu. Tu peux tout simplement bouger la coupe vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Donc ici, comme je vais couper les zones basses, je vais ramener comme ça. Ensuite, je vais couper légèrement la zone aiguë. Il faut pas que ça pique trop dans l'oreille. Généralement, le clap, on coupe la zone aiguë. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais mettre une deuxième caisse. Voilà. Je la charge dans le mixeur. Je mets un paramétrique. Voilà. Je coupe aussi les zones basses. Voilà. Voilà, je crois que c'est intéressant. En fonction des autres instruments, on va voir s'il va falloir baisser ou augmenter le volume de la caisse. Je crois que le volume il est assez fort déjà, c'est déjà pas mal. On va le mettre à 90, voire. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va charger les différentes percussions. Tout d'abord, il y a un tom que j'ai utilisé. Ce tom, il est disponible aussi dans un de mes drum kits simple. Voilà. Voilà, donc je vais le charger dans le mixeur. Voilà, paramétrique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais couper. Lui, comme les zones, je veux qu'il joue en basse, puisque c'est un tom. Je vais ramener jusqu'ici, disons 35 hertz, ou encore on va dire 45. Voilà, donc je lis ici sur ce petit écran, il me donne les informations sur les différentes fréquences. Ensuite, je veux pas trop qu'il soit trop aigu, je vais ramener un peu. Voilà, disons ici. Voilà, je crois que pour le tom c'est déjà bon. Maintenant on va charger les percussions. Il y a plusieurs percussions que j'ai utilisées ici. Voilà. Tout d'abord il y a celle-ci. Voilà, donc je vais mettre un 7-9. Voilà. Paramétrique 2. Bon, la percussion, on va voir où elle joue. Tu vois que c'est plus cette zone-ci qui est jouée. Donc là, ce qu'on va faire, pareil, on ramène la basse, on ramène les aigus. Voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va prendre le deuxième. Pareil, mixeur. Voilà, paramétrique. Voilà. Mmh.
Ok, donc ce que j'ai fait, je vais remettre ici. Je vais augmenter un peu. Voilà. Voilà, on va charger cet effet-ci, ici. Voilà, donc je baisse. Ramène un peu la basse, voilà, diminue. Voilà. Ensuite, il y a ce crash-ci. Donc je vais charger. Voilà. Ok, c'est intéressant le kick qui est présent maintenant.